Bonjour à tous, nous sommes bel et bien dans Studio 210, ça se passe nulle part ailleurs que sur la télévision nationale congolaise. Mais qui a dit que le peuple, que les Congolais, que les mélomanes, qu'on dit que les populations congolaises n'aiment pas la musique congolaise, qui n'appuient pas les musiciens congolais? Nous allons vous démontrer le contraire le 19 novembre prochain, parce que nous aurons un concert, spectacle inédit à la manière du Studio 210, avec une brochette d'artistes gospel de Brazzaville pour ce premier pas. Donc nous le ferons à l'IFC et vous aurez toute la batterie de visuels et d'informations tout autour sur nos réseaux sociaux. Gardez simplement le contact et prenez attache avec le Studio 210 si vous êtes un groupe de musique. Ensuite, nous démarrons après ce petit mot sur le gospel. Nous allons dire que nous aurons pour thème aujourd'hui le mystère des poissons et des eaux. Mystère, oui, ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Pourtant, les poissons, les animaux, etc., obéissent aux mécanismes et principes établis par le Créateur. Et l'homme alors, créé à l'image de Dieu, comment et pourquoi a-t-il toujours un cœur endurci? Pourquoi il ne suit pas le sentier tracé par le Maître, le Créateur? Pasteur Ange, bienvenue à Luna de l'Église de la Vie en Jésus-Christ, nous en dira davantage alors que le pasteur Pascal Oweli de la communauté chrétienne La Caverne reviendra sur ce thème, les pratiques sexuelles interdites, notamment l'homosexualité et la pédophilie. On en reparle tout de suite. La fin du mois de septembre et ce début d'octobre restent marqués par une vive polémique autour du ministère prophétique et même de la divinité de William Marion Branham, qui, à son époque, était pasteur de l'église William Marion Tabernacle. Une vive polémique suscitée des propos du pasteur Simon-Pierre Lifoko du Ciel. Nous reviendrons sur le pasteur Lifoko du Ciel, mais concrètement, c'est quoi le message de William Marion Branham? Est-il prophète? Est-il Dieu? Ou encore, est-il le tout dernier prophète qui nous a été envoyé? Docteur Renaud Boris Mota, un des dissidents de ce mouvement religieux, nous en dira davantage. Et le pasteur Paul Kentucky, adorateur de Branham, Dieu, et leader d'une église qu'il a dénommée William Marion Branham Tabernacle, nous donnera des explications qu'il faut. J'ai beaucoup parlé, on vous dit bonjour. Bonjour. J'ai beaucoup parlé, mais il n'y a pas d'eau. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Mais parce qu'il n'y a pas de sponsor. Parce que si il y avait le sponsor, on buvait l'eau du sponsor ici. Comme il n'y a pas l'eau du sponsor, ben donnez-moi l'eau de la on appelle ça comment? La LCDE. Trouvez-moi un gobelet là-bas avec, mettez de la LCDE et puis vous emmenez ici. Alors, je commence avec qui je commence? Non, je commence avec les branhamistes et les non-branhamistes. Pasteur Paul Kentucky. Ce matin, nous vous invitons pour nous expliquer, prenez votre micro, pour nous expliquer qu'est-ce que vous croyez au message de William Branham, non seulement, mais vous croyez que William Branham est Dieu. Nous n'allons pas vous juger, nous vous laissons la liberté de croire. Nous sommes dans un pays de liberté, pays qui respecte les libertés de croyance. Et donc, vous croyez que William Branham est Dieu, mais il faut nous le démontrer. Est-ce que dans ces brochures,
ce qu'il vous a laissé, c'est-à-dire que ses enseignements. Est-ce que dans la Bible, il y a des preuves pour justifier que le prophète William Lyon Branham est notre Dieu? À vous la parole. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie premièrement pour l'occasion que vous m'avez accordée. Comme ça fait un peu longtemps que nous étions encore là, nous étions ici. Et j'ai dit bel et bien, c'est vrai. William Marion Branham est Dieu. Je le crois de tout mon cœur. William Branham est la seconde venue de Jésus-Christ qui avait été promis selon Matthieu 24, le verset 27. On a posé le Christ la question, mais maître, dis-nous, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et il a répondu par plusieurs versets, et jusqu'au verset 27, c'est là qu'il dira, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Je crois bel et bien que William Marion Branham est Jésus-Christ revenu sous la forme d'un Occidental. Et sans plus tarder, dans les promesses qu'on vous m'avez demandées dans la Bible, oui, c'est juste, William Marion Branham est Dieu qui devait revenir. Il a été et c'est lui qui est venu. Et quand on dit que, est-ce que cela est écrit dans les Écritures? Oui, cela est écrit dans les Écritures. Je prends d'abord dans ce qu'il avait promis. Je vais prendre dans les prédications qu'il avait, tout ce qu'il avait dit dans son message. D'accord. Ok. William Branham prêche un enseignement qu'il va intituler Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Dans le Dieu puissant dévoilé devant nous, au paragraphe. Ceux qui sont dans le message, ils sont en train de me suivre, ils savent. Donc, je suis en train de lire dans la prédication qu'il avait intitulée Le Dieu puissant dévoilé devant nous, prêché le 29 juin 1964, au paragraphe 38. J'ai lu. Eh bien, en prenant les prophéties de l'Ancien Testament qui décrivent le Messie et en les comparant à la vie de Jésus. Vous voyez comment il fait déjà? Il dit, vous obtenez l'identité exacte de Jésus. Il n'était pas simplement un homme ordinaire. Il était Dieu, âme morphée. Il est passé du surnaturel à la forme naturelle d'un homme. Néanmoins, il était Dieu manifesté dans la chair, dissimulé derrière ce voile de chair. Examinez l'Ancien Testament. Alors, 134, il dit, et j'ai raconté ceci à un homme l'autre jour, quand on annonçait la nouvelle de cet homme qui avait été guéri. Ce même ministre m'a dit, il font de vous un Dieu, frère Branham. Donc, c'est un gars qui croise frère Branham, un ministre. Il dit, frère Branham, ils font de vous un Dieu. Donc, il y avait des adorateurs du temps de William Branham, comme le nous autres. 135, il dit, eh bien, vu que c'est un critiqueur, j'ai pensé que je pouvais peut-être couper un peu court à la chose. Pas pour blesser, vous savez, mais simplement pour. Il bégaye, il dit, j'ai dit, est-ce que le fait d'en être un s'éloignerait pas trop de l'écriture? Voyez-vous, je dis, non pas du tout, je dis, parce que Jésus a appelé les prophètes des dieux. Voyez-vous, c'est exact. Le gars dit, ils disent pas dans ce sens-là, 136, il dit, ils disent, mais vous autres, vous essayez de prendre la place de Dieu. Donc le gars convainc à William Branham, il dit, non, vos gars-là, vos disciples-là, ils disent que vous prenez la place de Dieu. Alors, William Branham dit, ce n'est pas si loin du compte, c'est exactement cela, Ah bon? c'est tout à fait juste. Dieu manifesté dans la chair, tout comme il a promis. Donc Branham confirme qu'il est Dieu manifesté dans la chair humaine. Ça, c'est selon ce que lui il a prêché lui-même ici-là. Maintenant, dans la prédication qu'il avait intitulée Le troisième sceau, prêché le 30 mars 1963, William Branham dira ceci. 197. Dieu a promis que dans les derniers jours, il manifesterait et qu'il lui confirmerait sa parole. Malgré tout cela, il ne veut pas l'accepter, tout cela. Dieu le lui a promis par ses serviteurs, les prophètes. Dieu a promis par Jésus, il commence par lui. Dieu a promis par Joël. Dieu a promis par Paul. Dieu a promis par Malachie, Jean. Dieu a promis de façon très précise par Jean le Révélateur, par tous ses prophètes, ce que ces derniers messages seraient pour elle. Maintenant, si vous voulez les noter naturellement, vous les connaissez tous. Jésus, Jean 14, 12. Joël 2, 38, Paul 2, Timothée 3, Malachie chapitre 4 et Jean le Révélateur, Apocalypse 10, 7, 1 à 17. Vous voyez exactement ce qui allait se passer maintenant. Et pour l'Église, qu'est-ce que c'est? La parole incarnée, faite chair au milieu de son peuple à nouveau. Voyez? Et il ne croit tout simplement pas cela. Donc ça, c'est William Marion Branham qui se donne. Donc ça, ce sont ses prophéties, ça, Oui, mais ce en sont fait, ses voilà, il déclarations. le dit. Ça, c'est lui qui dit ça. Et quand il était en train de Petite donner ça. parenthèse. Docteur René-Boris Botta, est-ce que dans ces propos-là, on sent que
William Branham se positionne comme Dieu. Bon, mais ça Ou bien c'est il fait une mauvaise évident. lecture? Non, il ne fait pas une mauvaise lecture, parce que je l'ai toujours dit et je l'ai toujours crié très haut et très fort. William Branham, son objectif, c'était d'usurper la position de Christ. Et en usurpant cette position de Christ, il s'est positionné comme étant le Dieu créateur du ciel et de la terre. D'accord, c'était juste là ce que je voulais. Donc, Donc ce que la ce que lecture fait, il ce, fait bonne lecture une de bonne ce qu'a dit lecture de William ce que Branham. le prophète William Branham a écrit lui-même. Allez-y. En tout cas, merci beaucoup, révérend docteur Mouta, et je suis très content de ce que vous affirmez, vous confirmez ça. Peut-être si je lisais ça, les autres pouvaient dire, donc, tu vois, toi, tu es fabriqué de choses, mais quand même, le docteur, il a inscrit, il a compris ça déjà. Okay. Il sait déjà la prochaine de que le prophète lui-même, il a écrit ça. Oui, il a confirmé okay. ça, c'est comme ça. On dit Amen là-bas à la maison, on dit Amen. Amen. Voilà. Déjà, amen. Donc, on est quand Dieu arrive sur la terre, c'est comme ceux qui ne comprennent pas Dieu, ils ont souvent l'idée de dire que non, bon, il est en train de prendre la place de quelqu'un, parce que c'est la même chose qui s'est passée avec Jésus. Quand il parle, moi et le Père, nous sommes un. Les disciples, comment on appelle, les pharisiens connaissant cette position, ils disent, oh, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Tu vois, donc la même chose s'était passée là-bas. Donc, pas étonnant que quand on voit ces choses, même quand le docteur est en train de dire que non, il voulait prendre la place. Oui, ça a toujours été comme ça. La divinité, quand il arrive, surtout quand il est parmi les humains, ça amène toujours des choses comme ça. Les gens raisonnent d'une façon, ils disent, oh, mais comment toi tu es un homme, comment tu peux prendre la place? Parce qu'être Dieu, on a des idées, c'est comme on dit, mais comment quelqu'un peut être Dieu? Et tant que la Bible est très claire par là. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, si Dieu apparaissait, il serait pas un animal. Pasteur Paul Kentucky. Voilà. Kentucky, d'abord, ça vient d'où? Kentucky, c'est là où mon Seigneur est né. Seigneur comme Branham. Bethléem, voilà, Seigneur Branham. Ton Seigneur aussi, bien sûr. Non, notre Seigneur. Oui, le Seigneur de tout le monde. Okay. Pour vous aussi. D'accord. Voilà. Alors, maintenant, okay. dans la Bible, est-ce qu'il y a des preuves des qui justifient que notre Seigneur est le véritable? En fait, dans la Bible, ce sont des promesses qu'on donne. Parce que si vous par suivez exemple. Dans la Bible, par exemple, quand nous allons prendre dans... Il nous a donné des promesses ici, dans Ésaïe 7, 20. Ésaïe 7, 20, il y a une promesse qui avait été dite ici. Si j'ai bonne mémoire. Ésaïe 7, 20, je lis. Dans Ésaïe 7, 20, il est dit ceci. En ce jour-là, ça c'est Ésaïe qui voit le futur, le Seigneur rasera avec un rasoir. Il voit déjà comment Dieu sera. Il voit déjà comment toutes ces choses-là se feront. Il dit, pris à l'ouvrage au-delà du fleuve avec le roi d'Assyrie, la tête et les poils des pieds, il enlèvera aussi la barbe. Le Seigneur sera imberbe. En ce jour-là, chacun entretiendra une jeune vache et des brebis. Donc, le Seigneur, il était déjà en train de voir comment le Seigneur devait se raser. Donc, avec un rasoir pour la rouge, le Seigneur devait se raser. Non pas seulement là, il y a beaucoup de ces promesses qui sont dans la Bible là-bas. Donc, quand même, quand nous voyons, il savait déjà qu'il devait venir. Et quand il devait venir, toutes ces promesses-là devaient pointer chez lui. D'accord. Okay. On va fixer droit la caméra. Vous avez une minute pour nous expliquer, pour expliquer encore ceux qui doutent. Ceux qui sont dans le message, mais qui ne veulent pas traverser du côté des adorateurs. Ou ceux qui sont, bien, vous adressez à eux, mais aussi aux pasteurs qui sont ici. Quoi. Les pasteurs qui sont ici, qui ne croient pas encore que notre Seigneur, c'est William Mohamed Branham, vous avez une minute pour les convaincre. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Convaincre, c'est tellement trop dit. Quand on dit convaincre, Jésus est venu dire qu'il était venu sauver ceux qu'il connaissait déjà avant la fondation du monde. Donc, s'il y a ce que je suis en train de donner ici, ma mission, en fait, toute la mission d'un disciple, c'est de convaincre tout le monde. Donc, la mission d'un disciple, c'est de montrer par des preuves et d'essayer un peu d'amener tout le monde. Mais comme le temps nous est donné à la télé, nous sommes un peu dans des, comment on peut dire, nous sommes derrière le temps. On prendra, mais, oui, okay, déjà, voilà, on vous appellera ici pour, voilà, okay, on va prendre le... Donc, ce que je peux demander aux bien-aimés, qui ne s'arrêtent pas seulement en faisant des déclarations dans leurs églises, qui ne s'arrêtent pas seulement en disant déjà que non, William Branham était qu'un prophète, point bas. Non, 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 on ne doit pas s'arrêter, on doit aller jusqu'au bout. On doit aller jusqu'au bout. William Branham était prophète, il était un homme, il était un prophète, il était Dieu, il était tout. D'accord. Donc, ceux qui sont à la frontière, je les demande, avec le conseil de Dieu, rapprochez-vous de nous. Pour alors, quel conseil donnerez-vous à votre ancien? Le pasteur Lifoko du ciel. En fait, le pasteur Lifoko du ciel, c'est un adorateur. C'est même une grâce. Oh, comment ça? Oui, c'est un adorateur. Parce que quand déjà quelqu'un qui dit déjà que non, en fait, c'est notre frère. C'est dans la famille Branham, il y a toutes les tendances. C'est notre frère, dans tout ça là. Et c'est comme, il a dit qu'il aime Branham plus que Jésus. Il dit qu'il aime. Donc, il dit, mais rejoins déjà, comme a dit le révérend, comme a dit le docteur Boris Mouta. C'est-à-dire, dans les déclarations, donc, quand tu sens déjà ce qu'il est tenté de dire, ça veut dire qu'il est déjà prêt avec nous.
Donc, il est déjà même avec nous. Ce qui reste, ce n'est que le baptême, qu'on puisse le baptiser. Ah, on doit encore le baptiser. Okay, en tout cas, on va le baptiser. Je ne sais même pas, peut-être qu'il est déjà même baptisé. Je ne sais pas. Parce que quand déjà tu donnes la déclaration, j'aime William Branham plus que Jésus. Alléluia, mais c'est ce que nous croyons. Ouais, donc, ils sont déjà prêts, ils sont en train de nous confirmer. Mais comme avec les standings qu'ils ont, donc Dieu les a bénis et beaucoup de ces choses-là, bon, tu vois qu'il y a certaines choses qu'on peut dire, il y a certaines qui choses qu'ils peuvent plus baptiser. Faire. Okay. Il y a des Nicodèmes qui venaient voir Jésus en secret, mais qu'ils adorent. Regarde les déclarations. Merci beaucoup, pasteur Paul Kachukwu. Rappelez-nous votre contact téléphone. Donc, c'est le 06 830 75 58. Et votre église est où? Et l'église se trouve dans 10 Rimbelo, CG Mokondo, non, derrière l'école de police. D'accord. Nous prions les lundis, vendredis et mercredis, sauf les dimanches. D'accord. Vous priez le Dieu Branham. Ok. Le Seigneur William Branham, notre le Seigneur. Créateur, le okay. Seigneur. Ok. On reste encore avec vous. Ok. Docteur Renaud Boris Mota, la légende dit que vous avez fait, je pense, vous avez été prédicateur dans le message pendant au moins 15 ans. Oui. Et ça veut dire que vous connaissez mieux ce message, vous avez compris ce message. Vous êtes parti de ce mouvement-là et donc vous regardez le message aujourd'hui avec un autre œil. Mais nous qui ne savons pas, nous qui ne comprenons pas le message de William Branham, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Sans jugement d'abord, sans commentaire personnel, est-ce que vous pouvez nous présenter c'est-à-dire que à celui qui ne connaît pas le message de William Branham, nous dire ce que c'est concrètement? Bien, je crois qu'il y aura tellement à dire, mais je vais aller à l'essentiel. J'ai pris le temps d'écouter mon cher Kentucky. Et ça fait des années, je pensais qu'il pouvait revenir à la raison, mais je vois qu'il s'enfonce encore davantage. Et là n'est pas l'essentiel, ce n'est pas un face-à-face. Alors, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le message de William Branham, puisque c'est aujourd'hui un sujet qui est pratiquement à la une, qui défait toutes les chroniques au niveau de la toile, ainsi de suite. On a ceux qui sont les pro-Branham, il y en a ceux qui se disent c'est Branham ou rien, d'autres c'est Jésus ou rien. Au fait, c'est une gamme de confusion. Alors, pour parler en un seul mot, William Branham, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un prédicateur pentecôtiste à l'origine, donc qui a commencé aux États-Unis sous le collage d'un bon maître Ku Klux Klan appelé Roy Davis, qui était aussi un franc-maçon en même temps. Et après que cet homme-là a eu des ennuis avec la justice, William Branham a commencé alors son œuvre à partir de 1935. Et quand il commence en 1936, il refuse de suivre la voie qu'il savait être la volonté de Dieu pour lui, c'est-à-dire de rejoindre les Afro-Américains dans le mouvement pentecôtiste et puis d'œuvrer là-bas. Et lorsqu'il a refusé de rejoindre ces Afro-Américains, alors, selon ses propres dires, son ange ou l'entité qu'il appelle ange qui l'accompagnait, va se fâcher contre William Branham et ne va pas aimer ça parce qu'il avait suivi les conseils de la mère de sa femme qui était aussi Ku Klux Klan, cette organisation suprématiste blanche qui détestait les Afro-Américains et les Noirs. Et Branham va écouter ces conseils-là pour ne pas aller au milieu d'une assemblée des Noirs, des Afro-Américains. Et ça va lui coûter très cher, c'est selon ses propres paroles, effectivement. Il va perdre près de 5 personnes, son père va mourir, son frère, ainsi que sa femme qui va décéder en 1937. Alors, William Branham va, de ces faits-là, passer pratiquement 10 ans, comme il va le dire lui-même, ce que j'ai dit, les sachants du message le savent, mais je l'ai dit pour ceux qui ne savent pas, il va passer 10 années sans avoir l'onction. Il a dit que c'était son échec, l'Église ne faisait que périr, dépérir, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'en 1947, il va entendre parler d'un certain Avak Agopian, donc un prédicateur mystique arménien, qui avait les traits pratiquement semblable à celui qu'on appelle Jésus d'Hoffmann, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors William Branham va courir vers ce grand magicien-là qui avait des pouvoirs occultes, des guérisons, et il va le rencontrer. Quand William Branham va le rencontrer... Docteur Renaud Boris Mota, je vous arrête un peu. Là, on rentre dans l'historique de Branham. Mais nous, ce qu'on veut, vous, qu'est-ce que vous avez retenu du message? C'est-à-dire que les commentaires, vous aurez peut-être l'occasion de le faire, mais celui qui ne comprend pas, qu'est-ce que William Branham nous a dit dans son message? Quelle est la particularité du message de William Branham? Okay. C'est en fait la question qu'on vous pose. Ok. Le message de William Branham n'a rien de particulier, parce que c'est juste une somme de confusion. Comme je l'ai toujours dit et démontré, c'est une véritable... Au fait, le message de William Branham, c'est le retour à la Babylone. C'est le retour à la tour de Babel, et l'évidence en est. Il sait très bien que quand William Branham a fait même un songe, quand... il aurait découpé le sommet d'une pyramide et puis interprété une écriture mystérieuse. Il a appelé tous les frères qui étaient avec lui de venir lire l'écriture mystérieuse. C'était des prédicateurs dans ce sens-là. Ça veut dire que la question que je pose, c'est quand vous étiez encore là-bas. Oui. Parce que c'est en deux volets. Je suivais un peu le fil conducteur.
quand vous étiez dans le message, comment vous compreniez le message de William Branham Branham? C'est ce qu'on veut faire comprendre un peu à ceux qui nous suivent en ce moment. C'est-à-dire que Renaud Boris Botta, quand il était dans le message, qu'est-ce qu'il faisait, voilà, qu'est-ce qu'il faisait qu'il reste là-bas et qu'est-ce qu'il savait de ce message-là? Vous nous dites ça, ensuite nous vous poserons des questions. Ok, merci beaucoup. Ce que je savais du message de William Branham en premier lieu, c'était d'abord le côté fondamentaliste, c'est-à-dire j'avais apprécié le développement des Écritures telles qu'il les présentait, sans bien sûr effectivement connaître la source d'où il faisait ces choses-là. Alors donc c'est le côté fondamentaliste, le côté de la démonstration attribuant à Jésus, la divinité à Jésus-Christ qui m'avait pratiquement épaté de ce côté-là. Et étant dans le message de William Branham, bien effectivement comme Paul de Kentucky, les citations qu'il a pour ceux qui se disent que William Branham est leur Dieu, ainsi de suite, en fait, ils ne sont pas responsables de faire dire à Branham ce qu'il n'a pas dit. Comme certains des autres églises disent, voilà, ils n'ont pas compris Branham. Branham, c'est un simple prophète. Nous, on le prend à titre d'un simple prophète. Mais quand Branham est arrivé, il n'a pas présenté son message pour être juste un simple prophète. Donc, il s'est arrangé à s'identifier à la personne de Dieu et même plus que Jésus-Christ. C'est même ce que j'ai eu à faire comprendre à l'IFOCO en 2012. Parce que quand j'étais chez lui, j'ai prêché dans son assemblée. Je suis allé avec lui dans le bureau. À cette époque-là, 2012, j'avais conçu une doctrine que j'appelais Jésus Branham, le chiffre 12. Et je disais que l'adoration, c'est au chiffre 12. Donc, il faut combiner Jésus, qui est le chiffre 5, avec Branham, qui est le chiffre 7. Un peu comme ce que le prophète, le pasteur Lefoucault dit. Effectivement. Branham, non, Jésus a Jésus terminé, déversé, a terminé sa, il a course, terminé sa course en Branham. Donc, c'est ce que je montrais. J'ai dit, il faut manger la chair avec le pain et la viande. Donc, vous voyez comme Élie, lorsqu'il était nourri au temps du soir, on lui apportait le pain et la viande. Et j'ai démontré à Lefoucault que la chair, aujourd'hui, c'est Branham. Et le pain, c'est Jésus. Et là, il était convaincu de vous. Non, il était convaincu totalement dans son bureau. Mmh. Vous voyez? Et c'est comme ça que des années plus tard, Lefoucault commence à faire des déclarations, comme quoi il parle de Jésus Branham. Donc, c'est cette expression-là, ceux qui connaissent Lefoucault bien de son église, s'ils entendent Lefoucault parler de Jésus Branham, dire qu'on doit adorer, actualiser Jésus, c'est-à-dire l'ancien est devenu obsolète, pour selon Lefoucault, et il faut l'actualiser, il faut faire la mise à jour. Donc, mise à jour. Prendre le Jésus aujourd'hui parce que William Branham est la forme physique de Jésus. En réalité, ce n'est pas Lefoucault qui le dit parce que c'est dans le message du prophète William Branham. Au fait, voilà, Lefoucault, comme tous les restes, sont des victimes du mensonge de William Branham. Et pour arriver à ce fin-là, l'objectif, c'est d'abord quoi? Il faut d'abord éloigner les croyants de la Bible. Et vous allez voir qu'on établit d'abord la doctrine de l'infaillibilité de William Branham, comme quoi il est infaillible. Et comme il est infaillible, on ne peut pas ramener un prophète dans la Bible parce qu'il est lui-même la parole interprétée. Et du coup, vous perdez les repères pour dénicher, identifier William Branham, qui il est. Qu'est-ce que William Branham dit de Jésus-Christ? Voilà, qu'est-ce qu'il dit de Jésus-Christ? Bon, il est dans un langage totalement confus sur Jésus-Christ. Quelquefois, Jésus-Christ n'était qu'un simple homme. Jusqu'au jour de son baptême, quand l'Esprit est descendu sur lui, il est devenu le Fils de Dieu, il est devenu Dieu. Et il avance quelquefois. Il dit que je ne crois pas qu'il était Dieu, il était juste le Fils de Dieu et Dieu était son Père. Et lorsqu'il va quelque part, il dit, je crois qu'il était Dieu Tout-Puissant. En fait, William Branham n'avait pas une connaissance claire et nette sur la divinité. Voilà pourquoi il a laissé toute une gamme de confusions. On fait une pause. Pasteur Kentucky, qu'est-ce que le Dieu Branham pense de Jésus-Christ, vous qui avez ces brochures? Qu'est-ce qu'il dit de Jésus? Comment il considère Jésus-Christ? Le Jésus que William Branham considérait, c'était de cette façon. Je vais l'interroger lui-même. Mmh. Regardez ce qu'il lui va parler sur l'idée qu'il a pensée qu'il avait sur Jésus-Christ. Le Jésus qu'il avait, il va dire dans la prédication qu'il a intitulée ici, la prédication qu'il va intituler Dieu peut-il changer de pensée au sujet de sa parole? Regardez ce qu'il va dire. Ça, c'est ce que lui va donner comme pensée sur qui était le Jésus qu'il avait. Excusez-moi. Il va dire, Jésus pour lui, Jésus devait revenir sous la forme d'un prophète. Jésus devait revenir sous la forme d'un prophète parmi son peuple. Donc, en ces derniers jours. C'est là où je vais lire dans la prédication. Dieu peut-il changer de pensée au sujet de sa parole, la vie au sujet de sa parole? Ça, c'est ce qu'il lui va donner ici. Okay. Salutations à Jem Marley Akonzo Obambi qui nous suit en ce moment depuis Paris, en France. Ok.
Excusez-moi, mes amis. Mauriac Obambi aussi nous suit, pendant que le pasteur Ange Bienvenu à Luna piaffe d'impatience, il veut dire quelque chose, mais on ne lui a pas encore accordé la parole. Il aura tout le temps. Ok, ça a toujours été comme ça. Voilà. Donc, la prédication qu'il a intitulée Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole, prêchée le 27 avril 65, pour ceux qui sont dans le message, au paragraphe 82. Eh bien, Jésus est venu sous trois noms. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète, fils de Dieu, celui qui a parcouru les âges de l'Église, puis fils de David. Mais entre le fils de Dieu et le fils de David, selon sa propre parole, selon Malachi 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner dans son Église sous une forme physique parmi les gens, dans des êtres humains pour être un prophète. Vous voyez? Donc ça, c'est la pensée qu'avait Jésus. Ça veut dire que ce qu'il dit de Jésus, que c'est lui-même en fait. Ah, ok. Là, vous avez compris. Ok. Alléluia. Merci beaucoup. Là, vous êtes déjà dedans. Docteur Renaud Boris Mota, aujourd'hui, avec le recul, comment vous considérez toutes ces choses? Bon, le constat, c'est quoi? Je l'ai toujours dit à tous ses amis, que ce soit l'IFOCO comme ceux qui ne croient pas que William Branham soit Dieu. Le vrai problème, c'est William Branham. Au fait, le vrai problème, ce n'est pas eux. Ils sont juste des victimes des propos de William Branham. Et pour en arriver à ces fins, comme je disais, je n'avais pas interrompu ma pensée, pour arriver à ces fins, l'objectif, c'est d'abord écarter tous les croyants de la foi dans la Bible. Parce que quand on arrive dans le message du temps de la fin, on se dit, si on vous laisse avec la Bible, vous allez pratiquement découvrir qui était réellement William Branham, que c'est un imposteur. Il vient d'abord avec la peau de la brebis, en vous parlant, soi-disant, de Jésus, et ensuite, il s'identifie lui-même à la personne de Jésus. Vous voyez la déclaration qu'il a faite, c'est celle-là. Une déclaration où si quelqu'un dit qu'il croit réellement William Branham, il est inévitable, absolument inévitable, qu'il prenne William Branham comme son Dieu. Bien qu'il y a d'autres endroits où il se dira, je ne suis pas Dieu, et ne me confondez pas à Jésus-Christ, Jésus-Christ est mon Dieu, ainsi de suite. Parce qu'il a laissé toute une gamme de confusion et à chacun de prendre sa part comme une tour de Babel. Alors, donc, l'objectif, c'est quoi? Éloigner les gens de la Bible. Et vous allez entendre ce credo-là qui dit, on ne ramène pas un prophète dans la Bible. Pourquoi? Lorsqu'on prêchait même cette doctrine-là pour qu'elle passe, on vous emmène d'abord à croire que William Branham est l'accomplissement de Malachi chapitre 4, et Luc chapitre 17, 30 et Apocalypse 10, 17. Et une fois qu'on vous a présenté ces écritures qui ont bien sûr été tordues, qui n'ont rien à voir avec William Branham, on vous sort, on ferme maintenant la Bible, on dit maintenant là ce n'est plus la Bible, on va maintenant faire parler William Branham et on s'arrête aux citations. Et on prend ces bribes de paroles qu'il a eu à lâcher dans ses prédications tout à fait confuses et on fabrique, alors on monte des enseignements et on commence à les divulguer ainsi. Donc ils sont tous des victimes pour avoir suivi un faux prophète, pas seulement un vrai prophète comme certains. Tel que le pasteur Bienvenu à Luna pourra se dire non, Branham c'était un faux prophète, et ensuite ce sont, et un vrai prophète plutôt, et ce sont les suiveurs aujourd'hui qui se sont éloignés de lui, mais nous on sait qu'il c'est un. Non, il n'était même pas un vrai prophète, et pour parler de Dieu, ça n'en est même pas la peine. Mais la divinité de William Branham est prouvée lorsque vous restez dans les citations bibliques, mais quand et dans les citations de ses propres paroles des brochures, et vous prouvez qu'il était Dieu. Mais quand vous sortez des brochures de William Branham et vous retournez dans la Bible, vous allez voir que Branham, c'était juste un imposteur. Merci beaucoup, docteur Nobos Bota. Vous pouvez nous rappeler vos contacts? C'est le 06 522 46 66. 06 522 46 66. Merci beaucoup. Pasteur Ange Bienvenu à Luna. Bonjour, je vous salue encore. Bonjour. Un commentaire par rapport à tout ce que vous avez entendu? Bon, c'est très grave parce que ça va faire enfoncer le monde dans ce que j'appelle par esprit de l'égarement. Parce que je m'accorde avec le docteur pour dire que le problème, ce n'est pas les adeptes, le problème, c'est William Branham qui a induit son peuple dans les erreurs. Jésus a dit qu'il va avoir des scandales, mais malheur à celui qui est l'auteur. Donc, je sais qu'est-ce qui se passe en ce moment, William Branham est le Seigneur, parce qu'il a induit en erreur pas mal beaucoup des âmes. Ah, mais le Seigneur nous a confié à ses prophètes. Hein. Il nous a dit, confiez-vous aux prophètes que je vous envoie. Mais écoutez, monsieur, je sais une chose, Colossiens 3, 17, sinon je risque de perdre le thème que je suis venu expliquer. Non, non, on va revenir sur vous. Justement, puisqu'on, pour éviter la diarrhée, c'est ça. Peut... Alors, Colossiens 3, 17 nous dit, et quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom de
Seigneur Jésus. En rendant par lui les actions de grâce à Dieu le Père. Dans tout ce que nous faisons, en quoi on parle, nous devons le faire, le nom de Jésus. Donc, c'est un débat, parler de William Branham, Dieu, ça n'a rien à voir. D'accord. Aucune brochure ne peut remplacer la Bible. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Ange, bienvenue à Luna. Je rappelle que vous êtes leader, visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ.